Verga, c'est Chérif, Dayovski, Doc et Aloran. Allez, allez, maniez-vous, fouillez! Tous les documents classés secrets et les codes 4104 peuvent désormais être sortis du coffre et consultés. De Cobra Bay cette nuit nous conduira à 60 miles des côtes soviétiques exactement au point 331904. Le plein de carburant sera refait à 02 heures. Chaque section s'annoncera quand elle sera prête pour décollage. Je reçois un signal très puissant. Section photo prête pour décollage. Électronique prête pour décollage. Cobra Bay à tour de contrôle. Cobra B à contrôle. Cobra B, ici tour de contrôle. Cobra B prend place en bout de piste principale. Demande permission, décollage immédiat. Cobra B, décollage immédiat autorisé. Merci, contrôle. Écoute un peu ça. C'est un marin russe à Petropavlovsk qui parle avec sa régulière à Moscou. Et madame est en manque, elle en veut drôlement. Ah, et ça t'excite, hein, obsédé. Allez, tire-toi. Ah ben, la consigne, c'est tout, écoute. Ouais. Si ma mère savait ce que je dois entendre pour gagner ma vie, allez, ose. À demain, bon courage et rase-toi bien l'oreille. Détruire tout code utilisé. Thank you.
Oui, monsieur. Je regrette, monsieur. Monsieur Lengsovski n'est pas dans son bureau en ce moment. Mais je lui ferai part de votre message et il vous appellera dès son retour. Agence nationale pour la sécurité, bureau de Monsieur Lengsovski. Monsieur Lengsovski. Oui. Monsieur Burt du département d'État est en ligne. Mettez-le en attente. Bien, monsieur. Vous avez ma communication? On nous a mis en attente, monsieur. Je vous salue, monsieur Burt. Bonjour, Lengsovski. Le secrétaire d'État s'étonne que vous n'ayez pas encore répondu au mémo qu'il vous a envoyé. Je conçois son impatience, mais il faut faire comprendre à monsieur Schulz que le long week-end de la fête du travail a commencé. Le président et presque tout le cabinet sont en Californie. Les choses ne vont pas aussi vite qu'elles pourraient aller si le président était resté à Washington. Et vous et moi, en ce moment, ne sommes là que pour veiller sur les meubles. Oui, mais il nous faut les commentaires du président au plus tôt. Monsieur Schulz sera à Madrid dans 2 semaines. Je ferai de mon mieux pour activer les choses, monsieur Burt. Vous nous rendriez un énorme service. Notre secrétaire aux affaires étrangères a un goût démesuré pour la scène internationale. Nous n'empêcherons pas monsieur Schulz d'aller à Madrid. Madrid est sans importance. Ce qui est en jeu ici est un principe. L'URSS n'a pas changé d'un iota depuis l'époque de Staline. Les gens du département d'État refusent de l'admettre. L'idée de vivre dans une situation de conflit permanent avec un autre pays leur est étrangère, pas à nous. Non, bien au contraire. Tu as une bonne journée? Ah, je n'en voyais pas la fin. Et la tienne? Eh bien, Madame Reagan a téléphoné 6 fois de Californie à propos de la réception du 21. Ensuite, le président et Madame sont allés faire du cheval. J'ai eu 2 bonnes heures de paix. D'où Washington s'est envolé pour la Californie? Mais qu'est-ce que nous foutons ici? Il ne t'arrive jamais de rencontrer ce type, Lengsovski, à la Maison-Blanche? En tout cas, je le connais de nom. Si tu as l'occasion d'en dire du mal à Nancy Reagan, alors vas-y. Laisse-moi deviner. Sauf erreur, il est de l'Agence nationale pour la sécurité. Oui, c'est ça, oui. Il prétend se mêler de nos relations internationales, il n'y connaît absolument rien. Les affaires étrangères n'ont pas très bonne presse, hein, au lieu. On vous surnomme les colombes. Oui, je sais, oui. Nous sommes les jouets des soviets, j'ai déjà entendu ça. Pourquoi Schulz laisse faire ce type? Quoi? Enfin, tu le sais mieux que personne, Lengsovski est un privilégié. Il a l'oreille du grand communicateur, et pas nous. Mais le secrétaire d'État a une ligne directe avec le président. Il se trame quelque chose. Tous les mémos... Tout ce qui se rapporte aux Russes passe entre les mains de ce type. C'est le chien de garde des portes de l'enfer ou je ne sais quoi. Burt, tu n'as jamais été de ceux qui abandonnent. Je n'abandonne pas. Dégagez, mon vieux. 0-9-5 et 3-3-3, c'est là. Avance ultra rapide, 300 mètres seconde. 500 miles à l'heure. Plus que ça? Altitude 30 000 pieds. Direction point 2-4-2. Nouvelle position 3-3-1. Il franchit la ligne des 12 miles. Il est dans l'espace aérien soviétique. Et il y va tout droit. Vogel! Excusez-moi. Sergent, jetez un petit coup d'œil. C'est plutôt bizarre. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi que ça puisse être, c'est déjà en train de survoler leur côte. Ils l'ont codé 88. Ah oui? Appareil inconnu, peut-être hostile. Ils s'énervent vachement en face. Ils pissent tous dans leur froc.
Ça peut pas être un des nôtres. Non. Avertissez le stratégique Air Command. Ils vont peut-être perdre un appareil. Qu'est-ce que vous en dites, sergent? La nuit sera longue. Oh, merde! Allons, allons, vous énervez pas. Rien, ce n'est pas un des nôtres. Vous avez quelque chose? Rien de nouveau, Jackson? Non, non, rien de rien. Ah, laissez-nous un peu respirer. Quelle fréquence utilisez-vous, Clark? Ne l'accaparez pas, en tout cas. Ça bouge du côté du Cap. Ça peut pas être des manœuvres. Si c'en est une, ça n'y ressemble pas. Quelle est votre opinion, sergent? Ok, s'il vous plaît, votre attention. Défense aérienne, bombardier, aéroflotte. C'est plus le moment de rigoler. Nous captons divers mouvements sur un 505. Les opérateurs radars russes du Cap Chatka sont en alerte. Passez au crible les bandes, essayez toutes les fréquences. Je dis bien toutes les fréquences. Quelle est notre base radio la plus proche du Cap Chatka? Wakanai. Bon, appelez-les. Voyez s'ils peuvent capter quelque chose pour nous. Ouais. Vous croyez que... J'ai quelque chose sur 6 2x0. Il y a Danilia qui brouille. Sergent, je capte 2 chasseurs. Non, ils en font décoller 3. Négatif, 4. Direction 2-4-0. Ils sont à cette trousse. Quoi que ce soit, ils sont à cette trousse. L'objectif est maintenant à 095-331 et se dirige sur 2-4-0. Où est-ce que ça mène? À Vladivostok, s'ils gardent ce cap. Vladivostok, c'est leur base navale. Nous avons maintenant 2 poursuivants sur 995, 329 et 2 de plus sur 995, 330. Ah, minute, nom de Dieu. Sergent, qu'est-ce que ça signifie tout ça en clair? Bon, écoutez, mon lieutenant. Les Russes ont découvert un intrus au-dessus du Kamchatka. Ils ne savent pas qui c'est et nous non plus. 4 de leurs appareils l'ont pris en chasse et il vient d'être codé hostile. Splendide, Norman. Quelle saloperie. C'est un manque de chance, Norman. Non, tout ce que je disais, c'est qu'il fait de nos briefings et de nos réunions des superproductions hollywoodiennes. Très joli coup, Hank. Il a toutes les veines. Toi, tu serais beaucoup plus heureux si l'aviation nous donnait encore de vieux Mustangs à piloter. C'est possible, oui. Le fait est que nous sommes un service de renseignement et pas les marionnettes du général Tom Tyson. Allez, Hank, à vous. Oh, bravo, Hank. Ah, très joli coup dans le genre loupé. Ouais. Ouais. Merci. Dernière chance. Je sais. Allez-y, vous n'y perdrez pas votre chemise. Non, mais 10 dollars. C'est vrai que Tyson a reçu des lettres de menace de ses hommes autrefois. Vous essayez de déconcentrer l'adversaire, commandant. Non, je me disais que puisque Jean était avec lui dans le Pacifique... Non, 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 vous essayez seulement de nous avoir de 10 dollars. Oh, je m'excuse, il faut pas parler. Oh, bon, écoutez, le général Tyson est un homme tout à fait compétent. Un homme aux vues relativement courtes, oui. Mais quand il est arrivé ici, les services de renseignement de l'aviation n'étaient qu'une triste pantalonnade. Aussi, la beauté, pas mal de cul qui méritait d'être beauté. Et aujourd'hui, dans les milieux du renseignement, tous respectent les services de l'aviation. Alors pourquoi vous ne pouvez pas le voir en peinture? Parce que ce n'est qu'une sale petite merde ambitieuse et mesquine. Ah. Vous avez un style très personnel. Dieu, regardez ça. Ils l'ont eu. Sergent! L'objectif a disparu et il rappelle les chasseurs. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Vous voulez mon opinion? Envoyons un code des critiques.
C'est pas un message qu'on envoie sans y avoir réfléchi à deux fois. Ça me semble suffisamment important à moi. Vous savez ce qu'implique l'envoi d'un message codé critique? Je sais qui la priorité. Priorité surtout. Dans les 20 minutes qui suivent la réception à Fort Meade, la sécurité nationale doit prévenir le président. S'il est en train de dormir, on le réveille. S'il est aux chiottes, on va le chercher et on l'en sort. S'il est en conférence avec le Tout-Puissant lui-même, on annule et on l'en sort aussi. Le message fait le tour de toutes les agences gouvernementales de Washington. Si vous envoyez un codé critique et que les événements le justifient, vous deviendrez un héros. Si vous vous êtes bourré, vous êtes le dernier des derniers. Ils doivent l'avoir descendu. Oui, mais reste à savoir ce que c'était. On a un nouveau numéro de code. 099. Terminé avec les plus extrêmes réserves. Un code des critiques, alors. Est-ce que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale? Qu'est-ce que ça dit exactement? Oui. Oui, Wes. Mais vous venez de dire que la sécurité nationale allait classer l'affaire difficile d'intervenir. D'accord. Bon, d'accord. Vous savez où je suis, n'est-ce pas? Oui, très bien. C'était important? Non, un simple accès de panique chronique. Ah, madame, vous permettez. Je connais ça. Ça a l'air bon. Merci. Merci. Et ils l'ont annulé. Oh, c'est pas croyable. Encore un coup de ces sales comptes civils, naturellement. Les fumiers, les salauds. Mais qu'est-ce qu'ils croient qu'on fait ici? Qu'on se branle? On estime que c'est un codé critique, c'est un codé critique, merde! Depuis quand on n'en a pas envoyé un? 10, 12 mois! Les bordels de Dieu, les Russes ont abattu un avion là-bas! Chérie! Nous devrions le rediffuser. C'est ça, pour qu'on nous le renvoie encore en pleine gueule. Je signe un code et critique et il est annulé. Ça va faire bon effet sur mes états de service. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Muller. Le sergent Duffy, s'il vous plaît. Pour Anderson, à Wakanai. C'est de notre base de Wakanai, Japon. Attention, on peut écouter. Ici Duffy. Duffy, écoutez, nous tenons quelque chose de très bizarre ici. Une activité inhabituelle, je dis bien inhabituelle. Restez en ligne, Anderson, une seconde. Il se passe quelque chose là-bas. Mais quelle espèce d'activité? Servez-vous de votre imagination. Ils ont dû capter les pilotes soviétiques. Comment est-ce qu'on doit procéder, selon vous? Vous avez besoin de ce matériel dans les plus brefs délais. À mon avis, il faut venir le chercher immédiatement. Ce sera fait. Et qu'est-ce qu'ils ont? Des enregistrements. Sortez votre petit stylo. Il nous faut un avion et vous êtes le seul à pouvoir le réquisitionner. Oui, mais je crois que... Non, monsieur, il n'y a pas de mec qui tienne. Il nous le faut. Et tout de suite! Et le commandant. Je regrette, réveillez-le. Ici le lieutenant Ames, commandant de vol du 6920. Il me faut un avion tout de suite. Sergent, oui, un avion. La télévision japonaise vient d'annoncer qu'un Boeing 747 des lignes aériennes coréennes a disparu quelque part dans le Pacifique. Jamais ça. Même les soviétiques feraient pas ça.
Ça ne suffit pas, il m'en faut plus. Vous comprenez? C'est un incident aérien, nous devons en connaître tous les détails avant demain matin. Je veux le papier le plus complet qui soit, et le meilleur qui soit. C'est grave, mon chéri? On en parlera demain matin dans les journaux. Ames. Oui. Très bien, merci. Du nouveau? L'avion est arrivé de Wakanai. Les enregistrements. Ok, dépêchons-nous. Je les ramène. Voyons, qui est notre meilleur traducteur de russe? Jamie. Trouvez Jamie. Il est de repos aujourd'hui. Il n'y a pas de repos pour les braves. Qui assure la liaison avec les renseignements ce soir? Morton Pringle. Parfait. Nous savons combien d'Américains étaient à bord? Pas encore, mais la liste des passagers ne saurait tarder. Est-ce qu'on avertit le secrétaire d'État? Non, voyons d'abord de quel côté souffle le vent. C'est ça, je vous rappelle, Phil. Dès que je saurai quelque chose. Très bien, merci. Et alors? Eh bien, l'Agence nationale pour la sécurité reçoit des colis critiques de leur base au Japon. Il semble qu'il y ait une activité inhabituelle et extraordinaire au-dessus de l'île de Sakhaline. Chasseur russe décollant en catastrophe et rappelé idem, un appareil inconnu abattu et un 747 des Korean Airlines a disparu. Et un rapprochement n'a pas été fait? Non, par personne pour le moment. Ni le Pentagone, ni même la CIA ne disposent d'éléments irréfutables. Rien n'est confirmé alors? Non, rien. L'Agence nationale pour la sécurité a annulé le codé critique, mais je suis sûr qu'ils ont eu tort. L'appareil était en vol direct de New York à Séoul. Et où se trouve cette île, nom de Dieu? Nous avons une carte quelque part? Il y en a une dans le bureau. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai du mal à y croire. Et je ne veux pas y croire, les implications sont terrifiantes. L'avion est allé de New York à Anchorage, où il a refait le plein. Ensuite, voilà ce qu'aurait dû être son couloir de vol jusqu'à Séoul, vous voyez? C'est très à l'écart de l'espace aérien russe. Pourquoi il l'aurait abattu? Non, l'appareil abattu l'a été en territoire soviétique, là au-dessus de Sakhaline. Non, ça n'a pas de sens. Les services de renseignement pensent que les deux choses peuvent être liées. Qu'est-ce qu'ils disent? Que les Russes ont abattu cet avion exprès? Non, ils ne disent pas qu'ils l'ont abattu, ils disent qu'il est possible qu'ils l'aient fait. Nom de Dieu, de merde. Mais que foutait cet avion à des centaines de kilomètres de... Je me fous qu'il ait été au-dessus de la place rouge, mais on n'abat pas un avion de transport civil. Nous ne savons pas s'ils l'ont fait, c'est peut-être une coïncidence. Ouais, tu parles d'une coïncidence. Avant tout, contactons nos services à Moscou, voyons s'ils savent quelque chose. Eh merde. Quoi? Il y avait 66 Américains à bord de cet appareil. Oh, mon Dieu. Y compris le président des extrémistes de la John Birch Society. Larry McDonald était dans cet avion? Oui. Manquait plus que ça. Tous les ultras d'Amérique vont croire que c'est lui que les Russes visaient. Bon, qui est à l'ambassade soviétique? Sokalov. Appelez-le. Quel temps allez-vous prendre avec lui? Plutôt vache. Remuez-vous. Tiens, ils ont sorti le génie de son lit. Allez, réveillez-vous. Et montez ça, j'entends rien. Rien à faire, c'est inintelligible. Taisez-vous, vous autres, il y a trop de bruit ici. J'oblique de 30 degrés, je continue. À vous. L'objectif est dans mon rayon d'action. Je suis à 8 km de distance de l'objectif. Ah non, c'est pas ça, il a dit SIN, 7. Voicing, 8. D'accord. L'automatique est déjà enclenché. Et je vais envoyer les roquettes. Trouvons un coin plus tranquille.
Dépêchez, nous avons à parler. Allez! Tout le monde dehors, vite, dehors, dehors! Il a envoyé un missile. Ne prenons pas le mort aux dents. Il a tiré, mais nous ne savons pas s'il visait quelque chose. Zapoustil. C'est ce qu'il a dit, c'était parfaitement clair. Et il l'a crié. Et ça veut dire qu'il a envoyé un missile. Était-ce l'avion coréen? Rien ne permet de le dire. Les Coréens ne s'approchent pas de l'espace aérien soviétique. Et les Russes n'auraient pas l'inconscience d'abattre un avion civil non armé. Mon lieutenant, c'est la fin de la traduction. Merci. Il y a eu destruction de l'objectif. C'est écrit là. Il l'a dit sans équivoque, destruction de l'objectif. Duffy, qu'est-ce que vous foutez là? Ce que je fous, moi, je me regarde vieillir. Ces démentis et ces dénégations ne m'intéressent pas. Ça ne nous conduit nulle part. Oui, exactement. Mais, Monsieur le chargé d'affaires, je vous en prie, assez d'échappatoires. Nous avons des rapports indiquant qu'un appareil a été abattu et abattu par les forces armées soviétiques. Si c'est le cas, nous avons un très gros problème sur les bras et je compte sur vous pour contacter Moscou, apprendre ce qui s'est passé et me rappeler aussitôt. Il ne sait rien, il nie tout, bien sûr. Nos gens à Moscou ne sont au courant de rien. Le contraire, c'est étonnant. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Normalement, tous nos services devraient être sur les dents. Vous voulez savoir ce qui se passe? Il se passe que tout le monde contredit tout le monde et se contredit. Les gars de la station d'écoute au Japon s'arrachent les cheveux et envoient message sur message codé critique. Dès qu'ils arrivent, la sécurité les annule. Selon elle, ils ne valent pas la peine de réveiller le président. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prévenir le secrétaire d'État? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Les renseignements sont muets, les autorités russes nient tout. C'est la technique soviétique traditionnelle. Rien ne confirme ni n'infirme. La télévision a quelque chose en ce moment. Non, non, je n'ai rien, mais si vous apprenez quelque chose, faites-le moi savoir immédiatement. Eh oui, nous sommes en plein cirage ici. Non, 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 restez en ligne. Nous revoici avec du nouveau sur l'avion coréen disparu. Nous avons reçu un communiqué des Korean Airlines selon lequel leur Boeing 747 aurait fait un atterrissage forcé dans l'île de Sakhalin, au large de la côte pacifique russe. Il n'a pas encore été clairement établi si cet atterrissage forcé a été provoqué par les Soviétiques. Mais il n'y a apparemment aucune perte de vie humaine parmi les 300 personnes à bord. Vous avez entendu ça? Bon, ben, je crois qu'on peut classer l'affaire. Vérifiez ça, on va peut-être pouvoir se reposer un peu. Oui, je le souhaite pour vous et j'aimerais bien faire pareil parce que nous sommes sous pression depuis des heures. Vous croyez que l'avion n'a pas été abattu? Je ne sais pas. Je veux de véritables preuves. Je suis choqué de vous trouver si peu concerné par une affaire où il est peut-être question de plus de 300 morts. Et croyez-vous que nous fassions dans cette baraque, hein? Croyez-vous que nous devons sauter par la fenêtre chaque fois que retentit un bang? Jamais, je n'ai dit que vous deviez faire ça. Mon travail consiste à gérer cette crise et pas à l'aggraver. Demain ou plus tard, si par malheur le Coréen a été abattu, une foule de gens exigera des représailles à corps et à cri. Oui, et moi je crierai plus fort que les autres. Dave, n'oubliez quand même pas ce qui est en jeu dans cette histoire. Ouais, installez vos missiles de croisière en Europe, par exemple. Ouais. Quel qu'en soit le prix. Non, je n'ai pas fixé de prix. Seulement à présent, peut-être que quelques-uns de ces pacifistes européens se mettront à comprendre à quelle bête sauvage nous sommes confrontés. Vous voulez dire qu'à présent, vous aurez une très bonne carte à jouer avec les Russes? Exactement. Et on n'a jamais pu négocier avec ces foutus soviétiques sans avoir une bonne carte en main. Des années de travail peuvent être réduites à néant. Et si nous laissons les ultras s'emparer de l'affaire, nous plongeons dans la Troisième Guerre mondiale. Vos fameux missiles ne sont même pas en état de marche. Et alors? Ils n'ont pas à l'être, sauf en temps de guerre. Plus Schultz sera d'atout, plus forte sera notre position. Ils ont descendu cet avion, on les clouera au pilori. Dans mon optique, personne ne tue 300 êtres humains sans payer la note. On est d'accord? Monsieur Burt! Monsieur Burt! Nous avons un démenti du Japon. L'appareil n'a pas atterri à Sakhalin. D'où il s'ensuit que c'est bien lui qui a été la cible des Russes. Merde, merde et remerde. Les fumiers! Il faut que vous avertissiez Schultz au plus vite. Je n'ai pas besoin de vous pour savoir ce que j'ai à faire. Ceci n'est pas de votre ressort, c'est du mien. Boss.
Ce n'est pas parce qu'ils nous disent que c'est vrai. Non, ce ne serait pas la première fois qu'ils mentent. Mais cette fois, cela paraît vraiment évident. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir réagir. Parce que la situation ne s'est jamais posée. NSOC32, c'est pour qui? Oui, c'est pour moi. C'est de la merde. Mais ça n'a aucun sens. C'est mal ficelé et ça grouille d'erreurs grossières. Bon, calmez-vous un peu. Vous voulez, c'est pas un asile de fou ici. Nous calmer, nous avons un briefing dans moins de 2 heures et il veut tout ce que nous avons de mieux. Voilà, regardez bien cette carte. Regardez, nous avons maintenant le plan du vol du Boeing coréen. Et ceci est le couloir qu'il aurait dû emprunter. Et là, il aurait été hors de danger. Qui s'occupe de la liaison avec l'armée? On sent, mais on ne s'entend plus penser ici. Oui, c'était le couloir qu'il devait emprunter, mais les radars des Russes le captent et le suivent ici. Oui, mais ça n'explique toujours pas qu'ils aient abattu un avion civil. Et peut-être ignorait-il que c'était un avion civil. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est simplement le tracé du vol du Cobra B. Du Cobra B? Vous voulez dire qu'il y avait un de nos avions espions dans le coin? Oui, mais au moment qu'il nous occupe, il était sur le chemin du retour. Alors, je ne vois pas. Où voulez-vous en venir? J'ai parlé à notre groupe d'écoute dans le Pacifique, et cette nuit, un de nos avions Cobra B évoluait dans ce secteur pour suivre le lancement d'une fusée russe. Mais le lancement n'a pas eu lieu, et on a rappelé le Cobra. Lequel Cobra a dû sortir des écrans de radar russe à peu près ici. Il sort de leurs écrans, il ne s'occupe plus de lui. Et alors? Alors? Presque aussitôt, ils le voient appliquer sur leurs écrans, à peu près là. Une grosse tache sur les écrans, un Boeing 707, un Cobra bourré à craquer de tout un attirail d'espionnage, dernier cri, et qui s'apprête à entrer dans leur espace aérien. Mais vous disiez que le Cobra regagnait sa base? Exactement, mais les Russes ne le savaient pas. Ce qu'ils voient sur leur écran, c'est le Coréen. Mais ils croient que c'est le Cobra B qui revient à la charge, un appareil espion américain qui va survoler leur base. La panique peut-être à tous les échelons. Oui, mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est ce que l'appareil coréen faisait au-dessus du territoire russe. Il devait être cinglé pour survoler la Russie. Le pilote ne savait peut-être rien, erreur de navigation. D'accord, mais le pilote russe ne pouvait tirer sans voir sur quoi il tirait. Le Cobra est un 707, tandis que l'appareil coréen est un 747. Il est impossible de les confondre. Oui, dans des conditions de visibilité excellentes. Ah, ça ne changera jamais. Vous avez votre petite théorie et à nous de faire avec. Une chose est sûre, ce n'est pas nous qui avons tiré. Il ne s'agit peut-être en fait que d'une monstrueuse suite d'erreurs. Les Russes ont cru qu'un de nos avions espions violait consciemment leur espace aérien. Je crois que personne n'aimera cette idée. Mon travail consiste à analyser les données. Je ne tiens pas compte de ce que les gens aiment entendre, mais de ce qui est arrivé d'après moi. Très bien, mais personne ne peut confondre un Boeing 747 et un 707. Parce que le Boeing 747 a sur le dos une bosse qu'on voit de loin. J'ai ici quelqu'un avec qui vous devriez parler. Ça va, mon vieux? Vous voulez un petit café? Non, merci. En tout cas, c'est sympa d'être venu si vite. Voici le colonel O'Hara, Jean, le capitaine Bills. Capitaine Bills a servi quelque temps dans le Pacifique. Il pilotait les avions ravitailleurs. Racontez au colonel votre histoire. Je ravitaillais en vol des 707. Les Cobra B? Oui, mon colonel. Dites-lui comment ça se passe la nuit. Oh, la nuit, c'est un cauchemar, la pire de toutes les manœuvres. Pourquoi? Voler de nuit, ce n'est jamais drôle, mon colonel. Vous êtes désorienté. Vous perdez le sens des proportions et de la distance. Et c'est vraiment dur de voir ce qui est dehors devant vous. Tenez, au cours d'une mission, je me suis approché d'un Boeing 747 japonais, un appareil civil. J'ai essayé de m'accrocher à lui pour le ravitailler en carburant. Je suis sûr que le pilote japonais n'avait plus un poil de sec après ça. Nous avons donc des pilotes, qui ne font pas la différence entre un Boeing 747 et un 707. Mon colonel, la nuit, on éteint toutes les lumières et les stores sont baissés pour que les passagers puissent dormir. Dans le noir, rien n'indique qu'il s'agit d'un avion civil. Et si vous voulez attaquer un appareil ennemi, vous le faites par l'arrière et par-dessous. Vous n'apercevriez pas la bosse d'un 747, mon colonel. Il n'y a aucun moyen de l'identifier. Thank you.
leur faire mal. Il faut frapper dans un de leurs états satellites. Bloquer les ventes d'armes et de munitions, immobiliser leurs navires et fermer leurs ambassades. Et ce n'est pas tout ce qui peut être fait. Quels sont les sentiments du président sur cet acte de piraterie ? Oui, bien sûr, je ne doute pas qu'il voit les choses de la même façon. Oui, merci. Cette fois, les Russes vont payer le prix, il sera salé. Elle faisait de meilleures photos à la maternelle. Définition insuffisante des couleurs. Voilà exactement ce qu'il dira, je l'entends déjà d'ici. Écoutez, il nous faut ces photos de la compagnie coréenne. Les archives sont fermées, mon colonel. Quoi, elles ont adopté les horaires des banques? Nous essayons de contacter le chef de bureau. Eh bien, contactez-le, sortez-le de son bain, de son plumard. Oui. Mais contactez-le. Nous n'allons pas tenir un briefing avec des photos pour catalogue d'agences de voyage. N'allumez pas ça, le vieux vous arracherait la peau des fesses. Garde à vous. Général Tyson. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon général. Messieurs, à 8h30, j'informerai les chefs d'état-major des forces aériennes. À leur tour, ils informeront les chefs des autres états-majors. Je veux que nos services aient le dossier le plus complet sur l'affaire. Pas la CIA, pas la sécurité, nous. Ok. Où en sommes-nous? Messieurs, mon général, il y a eu un grave incident en Extrême-Orient. Au cours duquel un avion de combat soviétique a abattu un appareil de ligne, un appareil civil. Pas de clignotants? De clignotants? Les soviétiques sont en alerte? Mouvement de troupes, multiplication des patrouilles aériennes? Non, mon général. Navire toujours au port? Oui, mon général. Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'ils ne s'attendent pas à des représailles, mon général. Votre perspicacité vous fait grand honneur, capitaine. Mais j'irai encore plus loin. Quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait sans préparatif, en toute hâte. C'était un acte isolé. Je crois pouvoir dire, messieurs, que la guerre n'est pas à nos portes. La suite. Sur l'écran, vous voyez le couloir que devait emprunter le vol 007. Quel vol ? 007, mon général. Il s'agit du 007 de la Paname? De Korean Airlines, mon général. Alors dites-le. Oui, mon général. Du vol 007 des lignes aériennes coréennes. L'autre couloir est celui que le Coréen a réellement emprunté. Définition insuffisante des couleurs. Oui, mon général. Nous avions quelque chose dans le secteur? Oui ou non? Mon général, un Cobra B était dans le secteur, mais il était revenu à sa base 2 bonnes heures avant l'incident en question. Commandant, vous saviez qu'il était revenu à sa base, et je le sais également, mais les Russes le savaient-ils? À mon avis, ils l'ignoraient, mon général. Expliquez-vous, commandant. Daniel, mon général. Puis-je avoir le cliché suivant, s'il vous plaît? Voici la presqu'île du Kamchatka, mon général, et le trajet suivi par le Cobra B qui décrivait des 8 en attendant un lancement de fusée qui n'a jamais eu lieu. Vers 1h du matin, on l'a rappelé, et il est rentré en se maniant le cul. Il a dû sortir des radars soviétiques à peu près ici. Et presque aussitôt, l'avion coréen apparaît sur l'écran du radar pratiquement au même endroit. À quelle altitude? 30 000 panards, mon général. 30 000 panards? Pieds, mon général, ce sont des pieds. Bien, à la suite, commandant. Ah, Tom.
Les chefs d'état-major sont extrêmement troublés par ce rapport. Ils changent tout notre point de vue. Mais personne n'en a fait de plus complet. Êtes-vous absolument sûr à 100% de vos conclusions? Si rien de neuf ne fait surface, oui, amiral. En somme, les Russes sont tout simplement gaffés. Oui, amiral. Eh bien, ils ne font pas les choses à moitié, cela. Ils ne sont pas très forts au radar. À mon avis, les Russes suivaient le Cobra B sur leur écran, mais n'ont pas interprété sa sortie comme définitive, d'où l'erreur. Et n'ont pas cherché à identifier l'autre avion? Il me semble bien que non. Vous rendez-vous compte des implications de ce que vous venez de dire? Que c'était un accident? Oui, amiral. Il n'y a aucune chance qu'à l'insu de ses passagers, le Coréen ait été en mission d'espionnage. Pas à la connaissance de nos services. Et c'est une bonne analyse, Tom. Une très bonne analyse. Et personne n'en a fait de meilleure, j'en suis sûr. Et je vais tout faire pour qu'elle arrive au sommet. Je vous en suis reconnaissant, amiral. Très bien. Le secrétaire d'État sera là dans une demi-heure. Nous lui dirons quoi? Morte. 1. Il n'y a pas eu provocation. 2. Ils ont identifié l'appareil. 3. Ils l'ont abattu. C'est tout. Source. La CIA est sûre à 95%. Elle a identifié l'avion comme étant civil. Autrement dit, il s'agit d'un acte hostile, absolument délibéré. Preuve. Les enregistrements japonais. Ils ne sont pas encore entièrement traduits, mais ils établissent déjà, sans entrer dans le détail, que le pilote soviétique a vu l'appareil, qu'il a vu ses feux de bord et que ce n'est qu'après qu'il a tiré ses roquettes. Aucun avertissement n'a été enregistré, rien. C'est du sol qu'il a reçu l'ordre de tirer. C'est la procédure habituelle. Conclusion? Toutes les données en notre possession confirment que l'appareil a été abattu après identification. Très bien. C'est ce que je dirais à Monsieur Schultz. Avez-vous contacté radio et télévision? Oui, j'ai suggéré que le secrétaire d'État fasse une déclaration à 10h ce matin. Eh bien, messieurs, allons à la bataille. Transmission? Oui, amiral, oui, il est là. Général? C'est le chef. Oui, amiral. Merci, amiral. Très bien, amiral. Merci d'avoir appelé. Oui, amiral. Mesdames et messieurs, puis-je vous présenter mes félicitations? Les chefs d'état-major ont tellement apprécié vos travaux qu'ils sont en ce moment même en route pour la Maison-Blanche. Bien! L'aviation vient de montrer à tous les services de renseignement ce qu'est une bonne analyse des faits. Elle s'obtient par le travail, une grande attention aux détails. Mon général, le secrétaire d'État fait une déclaration. Montez le son, vite. Bien, mon général. Soviets tracked the commercial airliner for some 2.5 hours. A Soviet pilot reported visual contact with the aircraft at 18:12 hours. The Soviet plane was, we know, in constant contact with its ground control. At 18:21 hours, the Korean aircraft was reported by the Soviet pilot at 10,000 meters. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas les Russes? Ils pourraient les inviter ici pour qu'ils voient de quoi nous sommes vraiment capables. Quand ce service a été mis sur pied, on a tous été avertis à maintes reprises de garder le secret sur notre travail. Nous n'existions pas. Aujourd'hui, Schultz jacasse à la télévision à la meilleure heure et dit aux Russes que nous espionnons leur radar. Nom de Dieu. The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act. Secretary, will this make any difference in the way the United States deals with the Soviet Union? For example, your meeting with Foreign Minister Gromyko? Well, I certainly will want to meet with Foreign Minister Gromyko and hear what he has to say about this. Nom de Dieu! We expect to hear from the Soviet 270 morts, peut-être davantage, et cette chiffre molle parle de parler! Si nous ne voulons pas être la risée de l'univers, il faut le museler. C'était notre secrétaire d'État aux affaires étrangères, M. Schultz. Et voici notre correspondante à Washington, Jane Leonard. Jane, le secrétaire d'État Schultz semblait ne pas douter qu'il s'agisse d'un acte délibéré.
Il n'avait aucun doute. Qu'est-ce qui lui prend ? Les officiels du département d'État nous ont affirmé que le chasseur russe pouvait très bien voir l'avion de ligne, qu'il pouvait peut-être même apercevoir son pilote et constater qu'il avait affaire à un 747 clairement désigné KAL Korean Airline. D'où est-ce qu'ils ont sorti cette histoire de bonne femme ? Les Russes ont suivi l'appareil pendant presque 3 heures. Tout ce qu'on veut bien il y a eu un incessant échange de paroles entre le chasseur et le en plein délire. Le secrétaire d'État est convaincu qu'il s'agit d'un acte prémédité. Enfin quoi, laissez-nous respirer. Mais ça fait au moins 12 fois qu'on vient là-dessus, mon vieux. Alors, un peu de calme. Regardez, voici les deux appareils. À votre avis, est-ce qu'ils pouvaient être pris l'un pour l'autre? Non, non. Et tous nos experts disent aussi non. Les soviétiques savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et s'ils ne le savaient pas, ils sont tout aussi coupables car ils auraient dû savoir ce qu'ils faisaient. Nous ne devrions pas encore écarter la possibilité qu'il s'agit d'un accident. Vous avez raison. Ridicule. Non, ce n'est pas Qu'est-ce que vous voulez donc faire? Détruire Moscou, c'est ça? Non. Non, je veux uniquement une réaction proportionnelle à l'acte. Si vous assassinez quelqu'un, on vous punit, c'est normal. Nous avons à traiter les questions autrement importantes. Le désarmement, par exemple. La conférence de Madrid. Annulée, Madrid. Quoi ? Vous avez regardé la télévision ? Vous avez entendu le secrétaire d'État ? Nous allons à Madrid. Un point, c'est tout. Nous devons adopter une attitude responsable et digne. Je suggère et conseille la prudence et une réflexion attentive. Écoutez, un peu de silence. Avant chacun de nos sommets, les soviets tâtent le terrain pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Leur technique est voisine de celle qui consiste à offrir un alcoolique qui n'a rien bu depuis 15 jours un verre de vin. Et alors, quand il va pour prendre le verre, vous crachez dedans. Et voilà ce que les soviets viennent de faire. Ils ont craché dans notre mer. C'est une analogie totalement répugnante. Je vois que nous n'arriverons à rien ici. Et je ne vais pas continuer à perdre mon temps et mon énergie dans ce débat oiseux. Cette réunion aurait dû avoir un président. Ne partez pas, Villegas. Messieurs, vous semblez oublier que nous sommes ici pour écrire un discours, pas pour autre chose. Si Schulz, si le secrétaire d'État voit Gromyko à Madrid, ce sera une vraie honte pour notre pays, une abdication morale. Nous ne pouvons rompre toute communication avec les Russes. Pourquoi pas ? Il y a eu plus de victimes américaines dans cet appareil. Je sais que d'otages détenus par l'ayatollah Khomeini. Vous ne cessez pas de nous le répéter. Il faut leur faire mal et les frapper à Cuba. Il faut frapper à Berlin. L'heure est venue de leur faire rebrousser chemin. Nous sommes là pour écrire un discours, pas pour rédiger une déclaration de guerre. Personne n'a encore parlé de déclaration de guerre, voyons. Vous êtes prêts, soldats ? Oui, monsieur. Bon, ceci est un mémorandum adressé au président par le Conseil national de sécurité. Suggestion de communiqué officiel concernant la destruction du 747 coréen. Et quelqu'un a une phrase d'entrée en matière ? Chers compatriotes... Très original. Laissez-le parler. Merci. Je suis là ce soir pour vous parler d'un meurtre répugnant commis de sang-froid. C'est très agressif. Ah, c'est plus que ça, c'est offensant, c'est insultant. Mais qui avez-vous peur d'offenser ? Andropov ? Un homme qui a sa solde tous les terroristes et tous les hors-la-loi du monde ? Attention, c'est le président des États-Unis qui s'adresse au pays, pas un orateur du dimanche juché sur sa caisse à savon. Il faut qu'il exprime ses regrets sincères et déplore la mort de tous ses passagers, particulièrement celle du sénateur McDonald. Car il s'agit avant tout de vies humaines dans ce drame. C'est exactement ça qu'il faut enfoncer dans la tête des soviets. Est-ce que vous voulez que j'annule ce début ? Certainement. Annulé. Pas marché. Amiral ? Votre rapport et ses conclusions. Ils veulent savoir pourquoi vous avez blanchi ces enfants de salauds. Blanchi ? Je n'ai blanchi personne. Ce n'est pas ce qu'on croit en haut lieu. Dire que je me suis fait l'avocat de ce rapport et qu'il finit à la boîte à ordures. Mais rendez-vous compte, Tom, 269 êtres humains sont morts dans cet avion. J'en suis aussi bouleversé que n'importe qui. Ce qui ne veut pas dire que nous devons nous sauter à la gorge à chaque incident. Vous leur trouvez des excuses, Tom ? C'est faux, nous avons seulement décrit l'affaire comme un gigantesque cafouillage. Vous allez continuer à le prétendre ? C'est ce qui ressort des données que nous avons reçues. Je vous assure, Tom, que vous allez commettre une grosse erreur. Je me trouvais là-bas. Et ils étaient tous du même avis. Tous, je vous dis. Je parle du département d'État, de la CIA, du cabinet et même de George Bush. Et vous les contrediriez ? Pourquoi ? Vous avez une ligne directe avec Dieu ?
Lorsque vous examinez les trajectoires des deux appareils... Mais quoi, des deux appareils? Le 747 et le Cobra B. À votre place, je l'oublierai, celui-là. En ce qui les concerne, le Cobra B n'est même pas dans le coup. Et personne ne veut en entendre parler. Les Russes ont envoyé des appareils de combat descendre un avion civil non armé. Ça, c'est un meurtre dans n'importe quelle langue. Quel mot emploierait-il si c'était nous? Si les gens de la Maison-Blanche voient les choses comme ça, de cette singulière façon... Je veux dire, si c'est leur point de vue, si c'est tout ce qu'ils ont déduit des informations à leur disposition, je ne vais pas filer là-bas au pas de course pour contester leurs conclusions. Et croyez-moi, il s'agit bien de leurs conclusions. Ils ne laisseront jamais les Soviets se tirer de ce mauvais pas. Tom, n'y pensez plus. D'autant qu'ils sont curieux de savoir où vous avez bien pu pêcher une idée aussi démente. Non, 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 attendez, ne coupons pas cette phrase. Elle ne colle pas avec le reste. Relisez le tout, on verra bien. D'accord, entendu, entendu. Au-delà de ces légitimes sentiments, le monde notera le contraste absolu qui existe entre les paroles des soviets et l'ensemble. Oui, ça c'est concis. C'est pas mal, mes sentiments devraient être remplacés par émotion. On n'en sortira jamais comme je ça. Je trouve que ça sonnerait mieux. Acte devrait être remplacé par action. Oui, c'est fini, oui, de chinoiser avec ce texte. J'appelle ça améliorer, pas chinoiser. Régime qui se drape si théâtralement dans ses idées. Oh non, pas ça, voyons. Paix et de désarmement mondial et qui, avec brutalité et cynisme, commet un acte de terrorisme. Mais enfin, voyons, vous ne pouvez pas. Non, je ne suis pas d'accord. Comment pourrions-nous accorder la moindre crédibilité aux Soviets? Non, pas ça. Flagrante et mensongère, cet acte odieux. What can be said about Soviet credibility when they so flagrantly lie about such a heinous act? What can be the scope of legitimate mutual discourse with a state whose values permit such atrocities? And what are we to make of a regime which establishes one set of standards for itself and another for the rest of humankind? To the families of all those on the ill-fated aircraft, we send our deepest sympathy, and I hope they know our prayers are with them all. Je vous demande pardon, mon général, je ne vous avais pas entendu. Vous n'êtes pas de service, commandant. Je n'arrive pas à oublier cette chose, mon général. Quelle chose? J'ai maintenant toutes les transcriptions des messages russes et leur compilation donne un tableau totalement différent de celui que les politiques veulent accréditer. Leur point de vue a été adopté. Mais il est imbécile, dangereux et faux, mon général. C'est nous qui nous trompons, peut-être. La Maison-Blanche a pu avoir des renseignements que nous n'avons pas. Si ça ne vous ennuie pas, mon général, je voudrais... Mais ça m'ennuie, commandant, ça m'ennuie beaucoup. Et votre attitude mérite plus que je ne saurais dire. Colonel. Oui, mon général. Je ne veux plus de Daniel. Prévenez les services concernés le plus tôt possible. Il est trop indépendant. Il est prétentieux, irrespectueux. Il donne le mauvais exemple. Je n'en veux plus. Oui, mon général. C'est une véritable honte. Burt y va en avant-garde pour tout préparer. Un aveugle conduisant des aveugles.
Burt ne connaît pour ainsi dire rien à la politique soviétique et il va être le conseiller d'un secrétaire d'État qui en sait moins que lui. Je ne le comprends pas, c'est un homme de Reagan, pas un de ces libéraux au cœur toujours en écharpe. Le monde entier aura les yeux sur Madrid. Et c'est là exactement que Burt vient à se trouver, en plein centre, en pleine lumière. J'étais sûr que le président adopterait la ligne la plus dure. Mais l'oreiller a parlé. Quoi ? La première dame ne goûte plus l'image d'un président justicier du Far West, la main sur son colt. Nous ne tirons aucun bénéfice de la chose. Il y aura sûrement des accrochages, quelques paroles peu amènes, un embargo sur un vol aéroflotte ou deux, et l'affaire sera classée. Un épisode peu reluisant pour l'honneur des États-Unis. Hank, je suis navré de ce qui vous arrive. Le général s'est débarrassé de vous un peu trop vite, à mon avis. Tous les ascenseurs du général ne grimpent pas jusqu'au sommet. Il tient avant tout au respect des formes. Et avouez que vous ne les respectez guère. Résultat, j'ai été mis à la porte de l'école. Vous avez une façon très inattendue de voir les choses. Vous croyez ? Pourquoi envoyez-vous vos enfants à l'école ? Pour leur donner une bonne éducation, pour qu'ils aient de bonnes notes. Oui, c'est tout ? Disons que c'est tout ce à quoi mon père s'intéressait. Une mauvaise note me valait une raclée. L'école est là pour vous apprendre à poser des questions. Pourquoi est-ce comme ça, monsieur ? Et c'est cela que nous sommes censés faire ici. Nous recevons des données brutes, nous les analysons et transmettons nos idées et conclusions à nos maîtres. Mais ça exige du temps, évidemment. Ces politiciens. L'apparence des choses leur suffit à tirer des fausses conclusions. Ils sont pressés, ils ne veulent pas attendre. Nous leur avons fourni un bon dossier sur cette affaire. Ils n'ont pas voulu en tenir compte. Ok, finissons-en. Hank, ça m'est très pénible. C'est pas vous qui avez déterré la hache de guerre. Ils voulaient qu'on leur dise que les Russes sont des bêtes sauvages. Oui, oui, l'important, c'est ça, voir en notre ennemi une bête sauvage. Chose nécessaire pour nous définir, nous, comme des êtres humains. Mais abattre un avion civil n'a jamais été un acte humain, que je sache. Mais le fait est que les Russes sont humains. Et qu'ils ont foiré comme des humains. Mais les Russes sont l'ennemi, et certains chez nous ne voient que ça. Savez-vous combien de vols de reconnaissance... Oh, quel rapport cela peut-il avoir ? Savez-vous combien de vols de reconnaissance nous faisons ? 600 vols par jour, dans le monde entier. Si les Russes nous faisaient la même chose, nous serions prêts à le considérer comme un acte de guerre. Notre travail est justement d'empêcher la guerre. Notre travail n'est pas d'empêcher la guerre. C'est d'y être mieux préparé que les Russes ne le sont. Et à ce petit jeu-là, l'un de nous ira un jour trop loin. The 747 has a unique and distinctive silhouette, unlike any other plane in the world. There is no way a pilot could mistake this for anything other than a civilian airliner. They deny the deed, but in their conflicting and misleading protestations, the Soviets reveal that, yes, shooting down a plane, even one with hundreds of innocent men, women, children, and babies, is a part of their normal procedure if that plane is in what they claim as their airspace. This was the Soviet Union against the world and the moral precepts which guide human relations among people everywhere. It was an act of barbarism, born of a society which wantonly disregards individual rights and the value of human life, and seeks constantly to expand and dominate other nations.
Le 821, s'il vous plaît. Grover ? Oui ? J'ai trouvé. Quoi ? Vous vous rendez compte de l'heure qu'il est ? Quoi ? Ah ben oui, il est 1h du matin. Mais attendez un peu, j'ai trouvé. Il témoigne demain, mais il est épouvantablement nerveux. Il veut vous parler et tout de suite. Ce type a la clé du mystère. Il sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Vous avez bu ? Oh, pas au point de divaguer, non. Mais je crois que nous avons fait tous les bars de Séoul cette nuit. Où êtes-vous ? Au 22 à Itaewon. Vous savez sûrement où c'est ? Allez, bon, d'accord. Gardez-le précieusement, j'arrive. Très bien. Mais le commandant Chun était-il un bon pilote ? Le commandant Chun était mon ami. Notre vie était bonne quand nous étions jeunes. Nous étions des aviateurs. Nous faisions voler des avions. Aujourd'hui, les avions nous font voler, nous. Le commandant Chun a oublié ça ce soir-là. Donnez-moi plus de détails. La première chose que vous avez à faire en entrant dans votre appareil, la chose essentielle, c'est de brancher l'ordinateur de gestion de vol et de le nourrir. Vous devez lui dire exactement où vous vous trouvez et où vous voulez aller. Et aussi lui donner toutes les références cartographiques. L'avion, alors, doit rester en place, rigoureusement immobile, jusqu'à ce que l'ordinateur de gestion de vol ait digéré, assimilé toutes les données. Ça dure combien ? Généralement, une vingtaine de minutes. Mais si une erreur est commise et que l'avion est déplacé avant que 20 minutes se soient écoulées, votre ordinateur est totalement désorienté et sa programmation inutilisable. Il risque alors de vous fournir des renseignements erronés et de vous faire largement dévier de votre route. Je crois que cette nuit-là, le vol 007 a été déplacé trop tôt. Vol Korean Airlines 007, radar d'Anchorage, niveau de vol 310. Tournez à gauche, cap 220. Roger, 220. Nous montons et gardons 310. L'avion était piloté par l'ordinateur. Il se dirigeait vers son premier point tournant, au-dessus du Pacifique. Mais les choses n'allaient déjà plus. Nous serons en retard à notre point tournant, commandant. 10 minutes de retard. Au point tournant, Niva. L'ordinateur écartait lentement le Boeing 747 de sa route. Le commandant Chun a certainement dû s'en rendre compte, mais il a décidé de continuer. Anchorage, ici Korean Airlines 007, je vous écoute. Anchorage, ici le 007, répondez s'il vous plaît. Commandant, je n'arrive pas à contacter Anchorage sur le mode VHF. Essayez la radio haute fréquence. J'ai déjà essayé sans avoir de réponse. Il ne pouvait plus établir le moindre contact radio. La situation était sérieuse. John aurait dû faire demi-tour. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? John était un homme très fier. Bah, tout le monde peut faire une erreur. Pas John. Vous savez ce qui fait un bon pilote de nos jours ? La prudence ? Non, monsieur. Pas de nos jours. Le bon pilote aujourd'hui est celui qui économise le plus de carburant. C'est ça l'important. Je ne vous suis pas. S'il avait fait demi-tour, l'appareil aurait été trop lourd pour pouvoir atterrir. Il fallait délester, jeter le carburant à la mer jusqu'à la dernière goutte. Des milliers et des milliers de dollars perdus au fond de l'eau. Le commandant John aurait été déshonoré. Il aurait perdu la face. Exactement. Et bien sûr, il s'y refusait. C'était un excellent pilote. Et comme il ne s'agissait d'abord que d'une légère erreur, il pouvait continuer. Au début, la déviation due à l'ordinateur a pu lui paraître sans importance. Mais lorsque l'affaire est devenue sérieuse, il était beaucoup trop tard pour rebrousser chemin. John avait passé le point de non-retour. Cette nuit-là, je suivais Chun, seulement à quelques minutes derrière lui.
de vol 007 dit qu'il est en train de passer le point tournant Niva. Il n'arrive pas à contacter Anchorage. Il nous demande de relayer sa position. C'est maintenant qu'il passe Niva ? Cela veut dire qu'il n'a que 4 minutes d'avance sur nous. Il devrait en avoir 15. Un commandant ne met jamais en question les décisions d'un autre commandant. Cela équivaudrait à l'accuser de ne pas faire correctement son travail. Appelez le commandant Chun. 007, à vous, s'il vous plaît. Le commandant Chun. Jung기장. Je savais qu'il ne pouvait être là où il affirmait se trouver. Quand je lui ai parlé, il... Comment dire, il n'était plus lui-même. Il n'avait plus son sang-froid. Et je savais bien que tout ce qu'il me disait était absurde. Mais on ne pouvait plus discuter avec lui. C'était trop tard. J'ai continué à relayer les rapports de position qu'il me donnait. Tout en sachant que ça n'avait plus aucun sens. По-прежнему не подает опознавательных сигналов. Присваиваю ему код 088. Самолет противника. Товарищ генерал-лейтенант, мне нужно знать больше. Товарищ генерал-лейтенант, он должен быть американским. Он не дает позывных. У нас нет данных о наших самолетах у берегов Камчатки. Товарищ генерал-лейтенант, мне нужно решение. Немедленно. Так точно. Сигнализировать ему. Алло, да, повторите.
805. Вы должны постараться привлечь его внимание, подать... Ёлки-палки! Я ж ракеты перевел на автосопровождение! Мне надо подойти ближе! Выключаю автосопровождение! Приближаюсь к цели! Они меня не видят! Токио, Токио! Korean Airlines 007. Korean Airlines 007. Ici Токио. Korean Airlines 007. Demande niveau de vol 350. Korean Airlines 007. Accordé. Puissance ascensionnelle. 800 ascensionnelle. Nous avons atteint 32 000 pieds. Réduction de vitesse à 280. Открыли огонь или нет? Они говорят, мы должны поступать по уставу. По уставу? Ну, достань устав. Что ты сидишь? Мы не можем ошибаться. Достань. Я не знаю, да его переделывали. Ну, найди его. Ну, статья 36. Какие будут указания? Давай, читай. Какие указания? В случаях, когда нарушение советского воздушного пространства остановить не удается, так. Или... Нарушителя нельзя задержать другими средствами. Так. Применять оружие и боевое снаряжение. Может применяться. Применять? Главные баки машин пустые. Им придется выходить из боя. Американец выйдет в международное воздушное пространство через 90 секунд. Иван Михайлович, у вас нет выбора. Неужели это правда? 805. Включить боевую систему. Боевая система уже включена. Боевые головки ракет на автосопровождении. Теперь попробуй ракеты. Запустил! Твою мать! Цель уничтожена! Блять, проклято!